Alors, nous sommes à Rochereau sur ce mois, c'est ça? En Belgique. Et en bas, c'est la vallée de l'Assemois, une boucle de Assemois, là. C'est très joli. Et nous sommes chez Jordan Boureux avec ma petite fille Alexandra. On s'est expatrié aujourd'hui en Belgique, hein, oui. En fait, on va redescendre de là, à travers bois, jusqu'en bois. Tu vois un peu? Donc, après le déjeuner... Il y a un bon manège, mais je ne comprends rien. Dans le village, il y a peut-être des manèges, il y a peut-être des balançoires. Non. Pour les vilaines filles comme toi. Alors, bon, bah, la petite fille, elle boit de l'eau, elle, hein. Bah, oui. Mais c'est elle qui conduit, donc vaut mieux qu'elle boive de l'eau. Et alors, lui, le papy, bah, qu'est-ce qu'il il a pris bah, non, j'ai pris... Bon, c'est 50 centilitres, c'est rien, ça fait 15 millilitres. Hein. J'ai pris la bière du pays, brassée ici au pays, à Rochereau. Donc, c'est aussi un fils de Michel Boureux qui s'occupe de ça. Donc voilà, je vais découvrir cette belle, jolie blonde. J'aime bien les blondes. Tu es brune, hein? Tu es brune de où? Ah, de la tête? Oui, à l'intérieur aussi, d'ailleurs. Je suis pas blonde, hein? Bonne santé? Je suis bleue dans la caméra. Ah ouais? Santé, ma douce? Oh, c'est beau. Oh, t'as dit non. Regarde-moi ça. Magnifique. Magnifique. Une petite noire, une blonde et une noire, moi. Il y a des trucs pour reprendre. Hein. C'est vrai. Là, c'est pour ça que j'ai une voix dégueulasse, tu me dis rien, toi. Bah, je te l'ai dit, là. C'est terrible, les vieux. Ah ouais. Tu sors le vieux, faut t'attendre à des conneries, hein. Ben oui. Insortable. C'est joli ce que tu dis. Quelle heure est-il? Je sais pas. Insortable. Attends, je regarde. Allez, dis-moi. Et il est 11h52. Mon cher Frédéric, je suis insortable à 11h52. M'a dit ton Alexandra, parce que tu l'aimes bien, alors c'est ton Alexandra aussi. Hein? Et hop. Je suis un doublé. J'ai une grande gueule. Et en plus, il fait exprès de piaffer. Exprès? Pour faire chier ton père. Ça, s'il va le couper. Non, ne le couperai pas. Parce qu'il n'aime pas les... que ça. Piaf, je sais pourquoi. C'est ça qu'il dit. Il n'aime pas quand ça piaf. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien le faire chier. Qui aime bien châtie bien. T'as pas faim, papy? Non. Hein. Petite olive? Non, j'aime pas ça. Bon, et il n'y a pas le noyau, hein? Mais j'aime pas. Elles sont dénoyautées. Mais j'aime pas, même s'il n'y a pas de noyau, j'aime pas. Ah, ta gueule. Ta gueule. Et tu sais où ils ont mis le noyau? Dans ton cul. Non, dans le tien. Non, dans ton cul. T'es pas poli, hein? T'es pas très poli avec ton grand-père, hein? Après, t'auras juste à serrer les fesses, ça fera de l'huile d'olive. Elle est con, là. J'ai une petite fille, c'est une vraie connasse. Mais une vraie, hein. Ah ouais. Elle, elle déconne avec de l'eau, elle faut le faire quand même. Oui. Moi, je déconne parce que je bois de la bière, mais elle, elle déconne quand même avec de l'eau. Bon, tu la picores, l'olive, ou pas? Non, j'aime pas. Mais tu fais quoi avec les bâtons, là? Je m'amuse. Mais c'est pas des baguettes chinoises, hein. J'ai le droit de m'amuser avec les beaux bâtons. Mais tu crois quoi? Tu es au restaurant chinois ici, là? Ah ouais, c'est beau. Ah bah oui. J'ai le droit de m'amuser avec les beaux bâtons, bordel. C'est pour curer les? Non. Et quand t'as pas de dents? Mais c'est pour... Tu t'en utilises pas. Et par contre, là, c'est toi qui l'aurais eu. L'huile dans le cul, là, si on t'avait mis une olive pendant la route, là. Ah, t'avoues, là, hein. Oui, c'est pas juste. Merci. C'est pas juste, arrête de te foutre de ma gueule, ce serait trop. T'aurais fui de partout dans la bagnole, puis c'est tout. Allez, je t'aurais acheté des couches. Bon ou bon, très bon. T'aimes bien le cochon? Ouais. Ah, le bonheur. Ah ouais, j'aime bien quand tu fais ta star. Oh nom de Dieu! Ah ça y est. Oh bordel de merde. Ça va donner, hein. La star qui bouffe comme une vache. Bravo. Tu peux s'écrouler, t'en as rien à foutre. T'es en train de bouffer ton hamburger. C'est ça? T'avais pas faim? Non, pas du tout, même. Alors un beau hamburger. Donc on appelle ça, c'est. L'hamburger de quoi? Je m'attendais pas à ça. Ça s'appelle comment, le burger? Ah, faut que je pousse tout.
Le burger point de vue. Donc voilà, Alexandra mange le burger point de vue sur le point de vue de Rochaud. Et fait sa star avec ses cheveux qu'elle balance en arrière. Mais boit de l'eau. Bougez le pont, madame, faites bouger le pont. Et tu voudrais faire tomber le grand-père, ça ne m'étonnerait pas, toi. Hein? Et après, tu vas dire, ouais, papy, c'est parce que t'as Parkinson. Le pont bouge pas, papy. C'est toi qui tangues. Ouais, c'est toi, après avoir bu, qui tangues. Hein? Mais j'ai bu qu'un demi-litre de bière, c'est pas beaucoup hein, pour un homme comme moi. Non? C'est beaucoup? C'est trop? Non, ça va. Je peux revoir un demi-litre? Parce que je suis en train de me déshydrater. Moi aussi, c'est quoi? Ah, ben, on retourne là-haut, alors. Enfin, si on retrouve la sortie, hein.